Hello, hello! Je vais attendre un petit peu parce qu'à mon avis, ça va prendre quelques minutes avant que tout le monde soit là. Je sais pas. Ah, ça y est, ça commence. Putain, j'ai pas mes lunettes, hein, du coup, ça va être compliqué. Non, je regarde sur mon téléphone aussi. Attendez, j'arrive. J'arrive. Vous allez bien ou quoi? Vous êtes chaud? Vous êtes excité? Vous avez hâte? Moi aussi. Vous allez bien? Enfin, je crois. Non, je suis méga excitée, mais comme d'hab, un petit peu nerveux, c'est normal, quoi. Mais voilà. Dites-moi un petit peu, attends, je sors. Tout juste des cours, là, parfait. Cool. Ah oui, il y en a... Putain, ouais, il y en a qui ont fini les cours maintenant, quoi. Ça me paraît si loin, cette vie. Genre... j'ai arrêté à 18 ans, quoi. Donc, du coup... Putain, mais c'est vrai que dans une autre vie, il y a des gens qui sont même encore en cours, en fait, à sortir. C'est violent. C'est trop long. De quoi? Le temps d'attente? Bah, dites-vous que moi, cette chanson, ça fait genre 2 ans que j'attends de la sortir. J'en peux plus, mais en même temps, je sais pas. J'aimais bien le fait qu'elle m'appartenait un peu. Genre, j'ai blindé profité cette nuit, en mode... C'est le dernier moment où la musique... m'appartient qu'à moi, quoi. Et demain, bah, elle est à vous. Donc aujourd'hui, elle est à vous, en fait. Voilà, bref, c'était pour ma petite nuit de réflexion. Pas très intéressant. Hello from London, hello from Belgium. Londres me manque de ouf. J'ai hâte de te voir à Charleroi. Bah, merci beaucoup. Bah, moi aussi, j'ai méga hâte de vous voir tous, que ce soit à Bruxelles, Lille, Paris... Charleroi, enfin voilà, vraiment, j'ai méga hâte de vous voir pour parler du livre. Je pense qu'on fera sans doute des trucs sur les réseaux pour discuter un petit peu, voir ce que vous avez pensé du livre. Je pense que j'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus. Mais en tout cas, je suis vraiment touchée de voir à quel point le livre vous parle et à quel point vous êtes chaud, quoi. Vraiment, c'est ouf quand je vois le nombre de participants et tout. Le nombre de commentaires et tout, enfin, sur les événements qui ont été créés par rapport aux dédicaces, enfin, c'est incroyable, genre vraiment merci beaucoup, vous rendez même pas compte à quel point je tiens en fait à ces jours-là. J'ai juste méga hâte de vous voir, en vrai. C'est l'accomplissement de tellement d'années, ce livre. Enfin voilà. Voilà pour ma petite vie. Attends, je vais vous lire un petit peu. Hâte de t'entendre, de te voir à Charleroi, j'espère. Je trouve toujours... Juste que tu viennes. Attends. Putain, ouais, bah, sorry de Alixette, sorry de venir du coup quand t'es pas là. Je l'ai pas choisi. Hein. C'est l'univers, le destin qui l'a choisi, mais en tout cas, c'était pas volontaire évidemment. Luc vient à Toulouse, vient en Suisse. Trop chaud, on est vraiment chaud là. On construit petit à petit. Et évidemment, le but c'est de venir tous vous voir à un moment donné. Voilà, là on est au début de l'aventure en vrai, hein. Pour moi l'aventure elle commence vraiment maintenant avec Danser. Pour moi c'est le premier single du projet qu'on sort, c'est Danser, quoi. Mélodrame c'était comme un peu un avant-goût, quoi, une petite entrée, quoi. Et ici on est dans le plat de résistance, enfin pour moi en tout cas, c'est ce que j'espère évidemment. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que l'aventure, on espère qu'elle ne fait que commencer. Et du coup, bah, le but, c'est de créer une histoire et d'écrire une nouvelle histoire. Et évidemment, de venir vous voir, quoi, chez vous. Maintenant, on verra. Il faut que la musique voyage, il faut que la musique parle et tout. Et c'est seulement grâce, enfin, via ça qu'on pourra bouger, en vrai. C'est les règles du jeu, quoi. Pour ceux qui sont tristes de ne pas pouvoir venir aux dédicaces, ne vous inquiétez pas, il y aura sans doute d'autres événements à venir qui vont être mis en place. Donc voilà, ne déprimez pas trop. Parce que j'en vois beaucoup qui disent « je suis triste, je ne suis pas dispo et tout ». Ne vous inquiétez pas, on essaie de faire au mieux. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je suis méga impatient. De ces journées, ça fait tellement longtemps que j'ai plus vu vos gueules en vrai. Ça fait trop du bien, je suis méga content.
C'est ton anniversaire, Luna. Ben, joyeux anniversaire. T'as quel âge, sans indiscrétion? Voilà, moi j'aime bien demander l'âge, hein. J'ai pas de... Voilà. Du coup, bon anniversaire. Happy birthday to you. Salut peut-être un jour en Suisse. Ben oui, j'ai répondu, évidemment, c'est le but. Voilà, on est déjà venu en Suisse, hein, et c'était vraiment des... C'était vraiment des chouettes concerts, en vrai. Donc, on a vraiment passé un super bon moment. Et bon, moi, j'ai kiffé la Suisse, déjà, parce que vous avez un paysage de ouf. Hein, on va pas se le cacher. Hein. Vous avez un paysage incroyable et hyper inspirant. Alors, j'essaie de vous lire un petit peu. Le 29 juillet à Tournai. Oui, parce qu'on a aussi annoncé des festivals. C'est vrai, ça, on a aussi annoncé des festivals. Donc, pour ceux et celles qui veulent venir, bah, on a mis sur les réseaux, on a mis les dates et tout. Donc, on prévoit du lourd, les gars. On prévoit du lourd! Je bosse beaucoup, en tout cas. Je bosse énormément. Attends, j'essaie de vous lire. Mais... Alors, attends. Il y aura une tournée prévue en 2023 ou 2024. Ah, ben mystère, on sait pas. On verra. Comme je l'ai dit, on va commencer. Enfin, on commence une nouvelle histoire là. Et c'est une histoire qu'on va écrire tous ensemble. Donc on verra tout simplement ce qui se passe en fait. C'est nous, évidemment, on travaille, on planche, on espère. On espère. Enfin, tu vois, on a une ambition quoi. On a de l'ambition, mais. Mais au final, c'est le public qui est choisi. Donc, on verra ce que vous voulez vraiment, au final, en fait. Je suis à Disney. Tu fais ton live pendant la parade. Incroyable. Pour la petite histoire, je devais être à Disney aujourd'hui aussi, normalement. Et au final, avec la sortie de danser, j'ai préféré rester ici. Parce qu'on avait pas mal de trucs à préparer. Mais en vrai, là, normalement, je devrais être à Disney aussi. Depuis hier soir, normalement. Et j'ai annulé, genre hier, en mode non. On a trop de trucs encore à... On a encore trop de trucs à faire. Je suis dans le train, j'ai ma 4G qui a bugué. L'Eknetet va venir dans le sud. Mais moi, je veux venir partout. Ah, attendez. Attendez, parce que je suis pas tout seul pour ce soir. Quand même, on fait une petite teuf avec les potes. Et c'est qui est là? C'est Séverine. J'ai ouvert du coup. Ah, il faut lui dire c'est troisième. Oh merde. C'est troisième. Oh merde. C'est... Oui, c'est au troisième étage. Ok. Bon, je crois qu'elle a compris. Bon, j'ouvre la porte. Bon, je me réinstalle dans le canapé, hein. Vous regardez pour accueillir Séverine. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ah, la star. Ozzy. Bonjour. Il s'appelle Oz. Pour ceux et celles qui n'arrêtent pas de demander. Mais moi, je l'appelle Ozzy. Voilà, ou gosette aux pommes. Si vous savez pas c'est quoi une gosette, bah renseignez-vous. Bon, attends. C'est quand tu viens dans le sud de la France? En vrai, au plus vite. Enfin, on bosse, comme je l'ai dit, on bosse à fond. L'histoire, on commence à l'écrire maintenant. J'espère en fait, j'espère juste que le projet va plaire aux Français, va plaire à la France et qu'on pourra faire une grosse tournée chez vous parce que bah, vous me manquez, ça fait quand même pas mal de temps que je vous ai plus vu. J'ai eu l'occasion de faire un concert ici à Forêt, à Bruxelles, où j'ai pu rencontrer bah, du coup les Belges et il y avait aussi quelques Français, mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi vous voir, ça fait pas mal de temps que je vous ai plus revu et ça me ferait très très plaisir, mais comme je l'ai dit, c'est une histoire qu'on veut écrire ensemble, donc... Faut soutenir le projet, faut partager de ouf, faut... Enfin voilà. Salut. Salut, ça va? Tu vas bien? Oui, on peut se faire la bise, t'inquiète. C'est vrai, non, je suis contente de te rencontrer. Ouais, ouais. Voilà, je suis de retour. Alors, attends. Attends. Toulouse, Bordeaux... Coucou, c'est dommage que tu pas du côté de Gage pour tes dédicaces. Oui, je sais, malheureusement, on ne pouvait pas faire tout. On pouvait pas faire toutes les villes, en fait, tout simplement en Belgique. On a dû choisir. Et c'est vrai que la question s'est posée. On devait choisir entre Liège et Bruxelles. Entre Liège et Charleroi. Voilà, j'ai voulu faire un truc à Charleroi parce que j'ai jamais vraiment été à la rencontre des Carolos.
Donc j'avais envie ici pour le livre parce que la librairie Molière, c'est une librairie où j'avais l'habitude d'aller pour aller chercher mes livres d'école en fait. Du coup, je trouvais ça tout stylé de revenir sur dans cette librairie. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait ça aussi à Charleroi. Mais les Liégeois, on vous oublie pas. Hein. D'ailleurs, la preuve quand même, Mélodrame, ça a été tourné chez vous. Hein. Bon, donc ne m'en voulez pas. Hein. On fait du mieux qu'on peut, vraiment. Vas-y, Lyon. Ouais, Lyon, ma vie. C'est trop beau, Lyon. En plus, j'ai quand même pas mal de potes sur Lyon. Et je me suis dit que j'irai bientôt. Je suis en train de réfléchir parce que ouais, j'ai une pote qui vit à Lyon, que j'ai plus vu depuis longtemps. Et je viens de me rendre compte qu'elle me manquait beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Attends. J'aime beaucoup cette complicité que tu as avec tes fans. Bah c'est la famille hein. Moi je trouve ça important. Sans vous je suis pas là. Sans vous j'ai pas ce que j'ai aujourd'hui. Sans vous je vis pas mon rêve. Donc voilà. Vous êtes le sang, vous êtes la famille. C'est comme ça, on est tous des frères, on est tous des sœurs. Boum. Ah, c'est Maëlie qui passe. Je suis fan de son. Not a stand. I can take myself dancing. Incroyable. Un tournant en préparation. Ah! En tout cas, je ne chôme pas. Je continue de travailler. Non, évidemment, on essaie de prévoir des surprises. Attendez, j'essaie de vous lire. Attends. Oh, hello from Mexico. Que va être les desserts, incroyable. Bah, vous verrez. Vous verrez hein. Qu'est-ce que je te dise? Alors, mes nuits, je vais pas réviser mes cours. Mais ta musique, incroyable. Tu es bienvenue quand tu veux. Ouais, il y a tellement de messages. Attendez. Il y a beaucoup de questions sur la tournée. Hein. Beaucoup. T'inquiète, avec moi, elle va voyager. Je viens de voir au Franco, merci beaucoup. Merci. C'est vrai, je le redis ici, il y en a peut-être qui sont arrivés en cours de route là, mais s'il y en a qui veulent d'ores et déjà prendre des places pour voir un live, on a annoncé des festivals en Belgique, voilà, pour commencer. On va pas faire beaucoup de festivals cette année, comme ça vous savez aussi. On n'a pas envie d'en dévoiler trop d'un coup, on veut y aller vraiment crescendo, donc voilà, comme ça vous savez que les festivals qu'on a annoncés en Belgique, ça risque d'être les seuls. On aura peut-être un en plus ou deux, enfin je sais pas, on verra, c'est rien de certain, mais en tout cas vraiment le plan ici c'est vraiment d'y aller crescendo, et donc on va pas forcément faire énormément de festivals cette année, donc comme ça vous savez aussi. Voilà. Tu viendrais en Bretagne à un moment. Je le dis depuis le début, moi je vais là où on veut de moi en vrai. Surtout que la Bretagne, j'adore. Je vais vous dire un truc. Le beurre, c'est ma vie. Voilà. Je pense que les Bretons, ils savent de quoi je parle. Le beurre, c'est ma vie. Donc, chez vous, je suis aux anges. Ok ? Je veux manger vos palais. Vous avez un paysage de ouf aussi. Et ça aussi, je tiens à le dire quand même. La Bretagne, en été, ça tue, les gars. Genre, on a pas l'impression comme ça. Mais moi, je suis allée une fois. Ça vaut le détour, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Donc, tout ça pour dire que moi, je suis blindée chaud de revenir en Bretagne dès que je peux, en fait. Mais comme je dis, il faut qu'on veuille de moi, en fait. Voilà, c'est tout. Bon, attends. Arrête pas un peu de danser. De quoi ? On parlerait pas un peu de danser. Ah oui, on va parler de danser un peu. Parce que je parle de beurre, mais c'est vrai que je sors un single dans quelques minutes, en fait.
Bon, dites-moi un peu sur danser, qu'est-ce que vous vous attendez à quoi en fait? Parce que peut-être que je vous dis danser, mais peut-être que c'est pas du tout un son pour danser. Hein. Peut-être que j'ai fait un slow, tu vois. Et peut-être que ce que je vous ai mis en extrait, c'est pas vraiment le vrai son. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je vais foutre le bordel dans votre tête, c'est pas vrai. Non, mais dites-moi un petit peu ce à quoi vous vous attendez et genre... qu'est-ce que ça vous évoque en fait? Genève, c'est trop bien. Oui, je confirme. Faut que tu viennes aux 100 ans de GPH. What? GPH, c'était mon ancienne école secondaire. Collège, je crois, en France. C'est l'équivalent du collège? Je sais plus. Enfin bref, les 100 ans. Les 100 ans. C'est incroyable, 100 ans. En fait, en gros, c'est bon. GPH, c'est un peu Poudlard. Enfin, c'est pas aussi beau Poudlard, mais bref. C'est un ancien couvent, je crois, un truc comme ça. Donc, il y a un truc un peu gothique comme ça dans l'âme. Enfin, bref. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Mais je savais pas, 100 ans. Tandis. Je vais fêter la sortie du single avec qui Alors, en vrai, j'ai invité plein de potes. Et j'ai pas calculé. Genre, vraiment, j'ai invité toutes les personnes que je voulais voir. Et je me rends compte qu'on va être beaucoup. On va être beaucoup, beaucoup. On va être peut-être trop, en fait, pour l'espace que j'ai à disposition. Mais du coup, plein de potes. Voilà, gros stuff. Gros stuff. Et on mange une paella aussi. Bam! On mange une paella. Voilà, comme ça, vous savez tout. Bon, bref, parlez-moi un peu de danser. J'ai l'impression de raconter que des conneries. Ça fait 2 heures que je suis sur YouTube. Merci beaucoup, merci. Attendez, waouh, en fait je descends vraiment pas assez vite les messages, il y a tellement de messages, je suis vraiment vraiment désolée. On pourra acheter, waouh, attends j'ai vu un truc. Oh merde, le truc est parti. Fuck, ça va trop vite. Ah, attends, je redescends tout parce que c'est un peu chaud. Tu aurais pu m'inviter, bah ouais, vas-y, viens. Si tu viens avec un, quick alors. Ok, et là c'est bon. Du coup, attends, parce que du coup, faut que je retrouve des trucs. Alors, je vois. Danser en rappelant ton passé sur le harcèlement. Donc, contre le harcèlement. Moi, j'attends plein d'émotions. Et que tu puisses parler de ta passion, de ce que tu y trouves. Ok. Soirée crêpes ce soir. Évidemment qu'on a des crêpes en dessert, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. De l'émotion, dévoile. Attends. Te dévoile. Ah! Ça va trop vite. Quelle est la phrase que tu préfères dans danser? La phrase que je préfère dans danser. Ok, je dirais. Alors j'ai jamais lâché pour le rêve, jamais je ne t'ai laissé. Voilà. Alors j'ai jamais lâché pour le rêve, jamais je ne t'ai laissé. Voilà. J'hésite entre laisser ou je te laisserai. C'est un des deux. Mais vous savez bien, hein, les paroles et moi parfois c'est. Mais non, mais je pense que c'est ça. Bref, vous verrez dans quelle partie c'est, mais c'est l'une de mes parties préférées. Voilà. Ah! Pas encore. J'ai des potes qui arrivent au fur et à mesure, donc si vous entendez la sonnette et de plus en plus de gens parler, c'est normal. Je vais. D'ailleurs, je vais rester encore un petit peu et puis après, je vais devoir. Violence conjugale, non, c'est pas sur les violences conjugales. Non, c'est. Il y en a qui ont mis un peu le doigt dessus, hein. Mais voilà, alors attends. Parce que ici, donc, je vais sans doute couper dans quelques minutes, mais je disparais pas quand même des réseaux parce que je suis quand même dans le chat de YouTube premier. Ouais, j'ai des potes. Attends. Est-ce que danser, c'est sur le self-love, genre face aux critiques? Alors pour moi danser c'est comment je veux dire ça? Pour moi danser c'est un truc que vous, c'est un son que vous devez vous approprier à vous. Coucou, tu peux venir me dire bonjour? Ils sont pas méchants. C'est qui?
Ben c'est les fans, c'est le sang. C'est la famille. C'est Insta. C'est un live Insta. Ah, bonjour. Donc du coup, Karen, mesdames et messieurs, je disais que dans danser, en fait, c'est évidemment, moi je parle de la danse parce que c'est ça qui m'anime et qui me transporte. Mais c'est pas la danse le sujet, quoi. De manière générale, c'est, enfin, vous me direz comment vous l'interprétez, mais pour moi, c'est un message global qu'on peut tous interpréter. Moi, je dis danser, mais ça pourrait être écrire, ça pourrait être je sais pas moi, courir, ça pourrait être même, je sais pas moi, faire de la pâtisserie, genre, n'importe en fait. Peu importe ce qui vous anime ou ce que vous kiffez de ouf, c'est ça que j'illustre, c'est genre la passion, et le rêve et qu'on a le droit de se battre en fait pour accomplir tout ça dans notre vie. Voilà. Donc voilà, en gros. J'en ai dit beaucoup là quand même. Hein. Tu feras des photos dédicaces avec tes fans. En tout cas, on essaiera de faire au mieux. Je pense que de toute façon, clairement, on vous empêchera pas de prendre des photos, donc vous prendrez toutes les photos que vous voulez. Et moi, j'essaierai toujours de lâcher un petit sourire de temps en temps. M'avait trop manqué en vrai. Venez nombreux, quoi. J'ai trop envie de vous voir partout là. Le livre, c'est comme la musique, comme ce nouveau projet musical, ça symbolise énormément pour moi, vraiment, ça compte beaucoup, beaucoup. Et j'ai tellement travaillé dans l'ombre sur ce projet que j'ai besoin de voir vos têtes, là. J'ai besoin de voir vos têtes, toutes souriantes. Enfin, j'espère, parce que si vous trouvez ça nul, oups. Non, je fais de mon mieux, les gars, comme d'hab. Je sens que tu vas me faire pleurer. La liberté d'expression, se libérer... Voilà, on parle beaucoup de libération, c'est ça, vous avez compris, c'est ça. Allez, je vais encore rester quelques minutes. En gros, pour être bien prêt pour le YouTube première, il faut que je coupe à 50. Ça va, comme ça, après je me pose tranquille, on se met devant la télé, on peut profiter aussi de la première et en parlant avec vous. Tu nous as manqué aussi, purée. Ah, il y a Joséphine qui est là. Coucou José. C'est quand à Charleroi? Les dédicaces à Charleroi, je crois que c'est le 11 février, si je ne me trompe pas. Le 10 à Paris, le 11 février à Bruxelles et à Charleroi. Je crois que c'est ça. Et il y a aussi à Lille. On a rajouté Lille. 3 jours de présentiel par semaine. Et donc, je viens à Bruxelles, yes I, c'est ça qu'on veut. Tes concerts me manquent. Moi aussi, la scène me manque d'ouf. Je viens d'Anvers jusqu'à Charleroi le 11. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes trop mignons parce que du coup, vous me notez genre oui, le 11 Charleroi de 15h à 18h. Merci. Vous connaissez mieux mon agenda que moi en fait. C'est incroyable, c'est génial. Je vous aime de ouf, les gars. Bon, je suis quand même très stressée là, je vois qu'il reste qu'un quart d'heure, je suis quand même un peu stressée, je suis quand même un peu nerveuse. Bon, en tout cas, si ça vous plaît, si ça vous parle, j'aime pas dire ça, mais voilà, n'hésitez pas à partager, commenter, tout, faites voyager le son. Aujourd'hui, il n'y a que comme ça qu'on fait, qu'un titre existe vraiment, c'est... avec une commu qui le soutient et qui le porte de ouf, donc voilà. Je compte sur vous les gars, si vous kiffez évidemment, si vous kiffez et que ça vous parle, je croise les doigts, je suis très stressée là, mon cœur est palpite de ouf. 15 minutes, oh, 14 même, il est 46 maintenant moi, chez moi là. C'est trop mignon. La promo. Tu veux de l'aide? Bon, je vais bientôt couper là. Du coup, si vous avez des questions sur danser ou n'importe, genre c'est le moment. Parce que à 50, je coupe. Voilà, c'est décidé. Je dis à 50, je coupe. Il va encore nous faire chialer, je sens. Who knows?
toujours derrière toi, merci. T'aimes bien Damso, évidemment que j'aime bien Damso. Je suis, j'adore Damso, j'adore sa voix en fait. C'est surtout son timbre de voix, je suis hyper réceptif à sa couleur vocale en fait. Je trouve ça incroyable et d'ailleurs j'ai bossé avec Prince Lee aussi qui bosse avec Damso et Prince Lee, incroyable. Les gars c'est incroyable. Oh putain. Talentueux, humble. Eh ben, je crois que je vais fumer une clope parce que ça fait au moins. Voilà, genre, gros coup de cœur sur Prince Lee. On a fait des sales sessions studio ensemble. Enfin, vraiment, c'était génial. Donc, voilà. Et encore une fois, c'est grâce à vous, bordel. C'est grâce à vous parce que vous me soutenez. Du coup, on m'offre des sessions studio avec des gens incroyables. Et genre, on me permet de pousser ma vision encore plus loin. Quoi. C'est grâce à vous, ça. Merci. Et j'espère que je vous rends bien. En tout cas, je fais tout pour. Je suis désolée que son est en train de monter un petit peu parce que les gens commencent à arriver. Barcelona! Moi je suis trop chaud. J'ai fait un accent pourri pour Barcelone. Ça n'a rien à voir avec Barcelone. Rien du tout. Mais je l'ai quand même fait. Ah, fille! Oh, belle mot! Ah, vous êtes là! C'est coupé? Tu vois que les choses sont. Ah, c'est pas grave. Comment tu vas? C'est pas grave. Bonjour. Bendo! C'est Bendo pour les gens qui se posent la question. Merci beaucoup. Il chantait une chanson qui faisait. L'Orient ne sera jamais pareil! Je vais pas le faire. Ben, viens près de moi. Attention, qui reconnaît cette chanson? L'Orient ne sera jamais pareil! Oh! Oh merde, non, tu pouvais le faire! Bref. Tu le fais bien! Ouais, il le fait bien, hein, il le fait super bien! Voilà, Bendo les gars. Super gars aussi. C'est la famille aussi. Voilà. Ah Ben, il y en a qui disent un sacré artiste aussi lui. Ah, c'est gentil ça. Ah, tu vois ? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le goût. Oh putain, il est tellement méchant avec lui. Merci, ça me touche. Ah, voilà. Bon, les gars, il est 49. J'avais dit quoi ? J'avais dit 50. C'est la dernière minute. Je stresse de ouf les gars, vraiment je stresse de ouf, je transpire et tout. Oh c'est chaud, c'est trop chaud. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais une chouette personnalité, c'est très très cool. Ça me touche beaucoup parce que je l'ai pas toujours. J'arrive pas toujours à vivre en paix avec moi-même, donc merci beaucoup. Crêpes aujourd'hui, tu vas en manger. Évidemment, je vais en manger. Le gars, il est 50. Bon, allez, non, vraiment, je vais couper parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de profiter aussi de la première, me poser devant YouTube. On continue sur YouTube. Dans la première, je serai dans le chat pour vous parler, pour répondre à vos questions. J'espère que ça va vous plaire. Je fais plein de bisous. Je pense fort à vous. On pensera à vous aussi en faisant la teuf et voilà, je croise les doigts et je prie pour que l'aventure commence et que danser passe partout, sur les radios et partout, en streaming, partout, sur les réseaux. Je compte sur vous les gars, je compte sur vous si vous kiffez le son, je compte sur vous et voilà, je vous fais plein de bisous, je croise les doigts, j'ai trop peur, maintenant je coupe. Allez, YouTube première dans le chat, hein, on se retrouve, hein, ok ? Allez, bon, je fais plein de bisous. Et voilà, merci d'avoir été présent, merci d'être venu, d'avoir dit des aussi belles choses. Et n'oubliez pas, il y a des événements qui arrivent, où on se voit, où on se retrouve. Tout est sur les réseaux, les dates, les lieux, enfin bref, les dédicaces, voilà. Et il est 51, voilà, déjà je me suis fait niquer d'une minute là. Bon allez, j'y vais, go, ça va ? On se retrouve à 18h pour la sortie de danser dans le chat YouTube. Je suis présent et je réponds à vos questions si vous en avez, voilà. Je vous fais plein de bisous.